Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que vous attendiez cette vidéo. C'est la vidéo où je vous annonce que c'est la fin de mes vidéos MSP. Voilà, donc ça va faire pratiquement 3 mois que j'ai fait aucune vidéo. Franchement, c'est un truc de fou parce qu'en fait mes abonnés continuent d'augmenter. Genre là je suis à 1372. Je crois que j'avais même pas les 1300 la dernière fois que j'ai fait une vidéo et tout, et mes vues aussi elles augmentent vraiment beaucoup. Voilà. Mais alors je vais vous expliquer pourquoi j'arrête. Déjà, pour commencer, en fait, c'est pas. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est pas faire des vidéos que j'ai plus envie. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des vidéos, enfin, j'adore raconter ma vie, j'aime bien faire des montages, etc. Je sais pas, j'ai plus envie de faire des vidéos comme ça, enfin plus envie de faire des vidéos tout court en fait. Ça m'attire plus trop, enfin en fait ce qui me plaisait sur YouTube c'était le contact avec mes abonnés et vu qu'en fait j'en avais 1000 à peu près, franchement c'était hyper cool, j'avais ma petite communauté et tout, enfin je sais qu'il y en a encore qui sont là et qui sont là depuis vraiment longtemps. En fait c'était genre j'avais ma petite communauté et tout et franchement c'était cool, enfin voilà, mais sauf que maintenant je trouve, enfin, MSP c'est plus de mon âge. Je vais avoir 16 ans cette année. Je suis au lycée et pour moi, enfin, c'est plus trop mon délire MSP, je continue encore à y aller et tout ça. C'est plus comme avant et tout. Enfin, franchement, j'y vais pour répondre à mes quelques messages et tout ça. Souvent je reçois des messages de gens qui me disent ouais, c'est quand tu sors ta prochaine vidéo, etc. Et en fait, je sais pas comment on veut. Enfin, je sais pas quoi dire, mais. En fait, il n'y aura jamais cette prochaine vidéo qui valent parce que je sais pas, j'ai plus envie de faire ça. Voilà. Par contre, c'est possible que je fasse des textes oraux ou d'autres vidéos, des montages peut-être, je sais pas. Des textes oraux, franchement, c'est possible que j'en sorte des nouveaux, mais voilà, je vous promets rien. Si j'en sors, ce sera pas maintenant parce que pour l'instant, j'ai rien de prévu, mais ouais, pourquoi pas. Enfin, en fait, je vais pas supprimer ma chaîne, je vais la garder. Par contre, ce que je risque de faire, c'est supprimer, enfin pas supprimer, mais mettre en privé une grande partie de mes vidéos. Parce qu'en fait, je les assume pas vraiment. En fait, j'ai un peu peur qu'il y ait des gens que je connaisse qui tombent sur ma chaîne et tout. Puis on a genre des vidéos qui sont un peu nulles, en fait. Je les ai postées juste pour poster des vidéos et voilà. J'ai envie de laisser sur ma chaîne vraiment les vidéos que j'ai travaillées, des vidéos enfin qui m'ont marqué, on va dire. Je risque de laisser mes montages déjà, c'est sûr. Enfin, quasiment tous les montages. Peut-être les vidéos qui vous ont vraiment plu ou celles où j'ai vraiment, enfin, des souvenirs, on va dire, par rapport à cette vidéo. Vous voyez, genre les cadeaux MSP et tout ça. Enfin, franchement, il n'y a rien, c'est pas très intéressant. Alors qu'après, j'ai fait des vidéos, genre, je sais pas si vous vous souvenez, genre mariage et tout ça. Vraiment des trucs comme ça. Enfin, ça, je pense les garder parce que, voilà, c'est des trucs, ça se supprime pas en fait. Du coup, voilà, je pense les laisser en ligne comme ça. Enfin, vous pourrez les voir, je pourrai continuer à les regarder, etc. Je vous disais, franchement, moi, ce qui me plaisait sur YouTube, en fait, c'était d'avoir une communauté, parler avec mes abonnés et tout ça. Et en fait, les vidéos, surtout MSP, quoi, ça m'a lassé parce que maintenant, je suis trop grande et tout ça. Je me suis mise sur Instagram, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce compte, virtualfriends.fr, voilà. C'est mon compte. Vous pouvez tous aller me suivre sur ce compte. Enfin, ceux qui veulent garder contact avec moi. Voilà. Franchement, c'est hyper cool. Je commence à avoir une petite communauté. On est 1338. Vraiment, c'est hyper cool. Je peux parler avec mes abonnés et tout. Et franchement, ouais. Enfin, vraiment, il y a des super bons délires. J'adore. Enfin, franchement, ouais. En gros, ça, Instagram, ça a remplacé un peu ce que j'avais avec YouTube, parce que du coup, en fait, j'ai retrouvé ce qui me plaisait, raconter ma vie, parler avec mes abonnés et tout. Mais ça me prend vraiment moins de temps. Enfin, non. Je sais pas comment dire, ça me prend moins de temps parce que j'ai pas besoin de faire mes vidéos, mes montages, etc. Je peux raconter ma vie n'importe quand, en fait, je vais vous montrer un peu. Mon compte, en fait, je poste des vidéos, enfin, de virtuel réel, je sais pas si vous connaissez. Je suppose que oui, donc là c'est du racontage de vie, mais en fait tout ça je supprime. Voilà, donc en fait c'est genre des vidéos comme ça. Je vais vous montrer vite fait. We keep this love in a photograph. Voilà. We make these memories. Genre des vidéos comme ça, attendez, je vais vous en montrer d'autres à peu près.
Donc, je sais pas trop. Attendez. Genre comme ça. Ce serait bien si ça marchait. Enfin voilà, donc en gros c'est des vidéos de virtuel réel, donc j'ai aussi fait quelques articles, je pense que ça peut aider certaines personnes, donc genre pour demander à ses parents, expliquer, enfin des trucs sur l'amitié virtuelle en gros. Voilà, parce que en gros, enfin voilà, j'ai beaucoup raconté ma vie dans cette vidéo, mais en fait sur en fait genre avec MSP j'ai vraiment rencontré des gens mais genre vraiment super. Et en fait ouais, c'est ce que j'ai, enfin l'amitié virtuelle, en fait, c'est ce que j'ai le plus retenu de MSP et c'est le meilleur truc, en gros, que ça m'a apporté. Genre, vraiment, voilà, quoi. Les personnes que j'ai rencontrées sur MSP aujourd'hui, je leur parle encore, c'est des vrais amis et tout ça. Et je suis déjà passée du virtuel au réel avec deux personnes, j'espère pouvoir passer avec d'autres personnes encore. Et ouais, depuis que j'ai... Enfin, c'est vraiment ce qui me reste de MSP, en fait, et genre... Ouais, je sais pas, je pensais pas que sur MSP on pouvait rencontrer des personnes avec qui ben vraiment j'allais m'entendre. Je pensais plutôt que c'était un jeu comme ça et enfin je sais pas, j'ai rencontré des gens, mais enfin voilà, des gens que j'oublierai jamais. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà. Et sur, enfin c'est pas, c'est différent parce que sur Instagram en fait je rencontre des gens, enfin vraiment des gens super gentils et tout ça. Ce sera jamais pareil parce que j'ai pas l'impression que je peux avoir des vraies amitiés avec eux. Alors oui, ils sont hyper sympas et tout ça, et vraiment on a des bons délires avec certaines personnes et tout ça, mais ça remplacera jamais mes amis que j'ai rencontrés sur MSP. Voilà, donc bah écoutez, je pense que ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Si je, enfin, si j'avais des... Pff, je sais pas, en fait si je voudrais vous laisser un message. À tous ceux qui ont suivi ma chaîne, tous ceux qui sont bah, sur MSP, sur YouTube, etc. Et ben ça serait vraiment de faire en fait ce que vous aimez. Donc si vous avez envie de faire une chaîne YouTube, etc. Et enfin, ayez pas peur des critiques et tout ça. Enfin vraiment, lancez-vous parce que en fait genre à partir du moment où on commence à avoir des abonnés et avoir une communauté, même si elle est petite en fait. Enfin je vous jure, ça fait vraiment du bien. Genre vous savez que vous avez des gens qui sont là pour vous et tout. Et des personnes avec qui vous pouvez parler, vous pouvez vous confier, enfin des personnes qui vous font rire. En fait, c'est genre, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, enfin, j'ai l'impression que ouais, je suis vraiment, enfin, enfermée, on va dire, dans le virtuel et tout ça. Mais en fait, depuis que j'ai commencé, ben YouTube, j'ai plus envie en fait d'être avec des gens que je connais en vrai, etc. Enfin, ces personnes-là, je sais pas, c'est même mes amis, en fait, je leur parle plus vraiment, je me confie plus vraiment, genre, je parle vraiment plus avec mes amis virtuels. Et peut-être que c'est pas bien, etc. Mais franchement, ouais, j'ai pas envie. Enfin, genre, j'aime comme ça ma vie, en fait, avec mon, enfin, le virtuel, genre, je sais pas. En fait, c'est un truc, genre, tu deviens accro, enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Enfin, bref. Donc, je pense que, ouais, je voulais, enfin, juste vous dire, bah, lancez-vous, enfin, faites ce que vous aimez. N'ayez pas peur des critiques, parce que franchement, enfin, ouais, il y a un peu du négatif, il y a des critiques et tout ça, mais enfin, vraiment, il y a plus de positif que de négatif, enfin, je veux dire, c'est vraiment cool, enfin, voilà, YouTube, Instagram, etc., enfin, vraiment, voilà, quoi, enfin, donc, enfin, voilà, on va dire, c'est la fin pour moi des vidéos MSP, voilà, alors, par contre, c'est juste un autre truc qui me saoule un peu, c'est qu'en fait, genre, vous m'avez offert vraiment plein de cadeaux et je voulais les ouvrir en vidéo parce qu'en fait, je trouve que ça se fait pas de les ouvrir hors vidéo alors qu'il y en a beaucoup qui me les ont offert pour passer en vidéo. Et je dois en avoir, mais vraiment une centaine en fait. Et le problème, c'est que ben, je vais plus faire de vidéos donc je sais pas si. Ah ouais, non, en fait, j'en ai plus beaucoup. Non, mais vraiment, je pensais que j'en avais plus. Mais c'est parce que j'avais tout ouvert la dernière fois. Enfin voilà. Il me reste un peu donc peut-être je ferai une vidéo et que je mettrai en non répertorié. Et je mettrai peut-être le lien, enfin quand je l'aurai fait, ouais, je mettrai peut-être le lien de la vidéo dans en non répertorié dans cette vidéo. Comme ça, ceux que ça intéresse, bah vous pourrez aller la voir parce que ben j'en ai plus beaucoup en fait, donc ça va aller, ça va pas être très long. Donc voilà.
Donc allez voir, enfin vous abonner à mon compte si vous voulez continuer à garder contact avec moi. Je vous laisse aussi mon Skype, donc ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Mais après je sais qu'il y a des gens qui ne me trouvent pas sur Skype, donc lovestar121.msp. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne me trouvent pas sur Skype. Donc, ben, si vous ne me trouvez pas, vous pouvez me donner vos pseudos, je vous ajouterai. Sinon, bah, venez sur mon compte Instagram, c'est vraiment là je suis le plus actif. Genre, sur Skype, j'y suis pas hyper souvent. Sur Instagram, j'y suis H24. Donc voilà, vous pouvez venir si vous avez envie. Je vous mettrai le lien de mon compte en barre d'infos. Voilà. Donc, bah, écoutez, bah, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue, enfin, ouais, 10 minutes. Bon, écoutez, voilà, j'avais plusieurs choses à vous dire. Je voulais vraiment vous expliquer tout ça. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous ne serez pas trop déçus quand même. Voilà, mais je voulais juste vous dire que vous êtes des abonnés vraiment super. Et voilà, je vous aime très fort. Et merci d'avoir été là. Je fais des gros bisous et bonne continuation. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it.